Il y aura un projet de loi pour proroger le pass, ça c'est prévu par la loi, puisque en l'état actuel des choses, il expire au 13 octobre, enfin au 15 novembre, mais le 13 octobre, il faudra proposer en Conseil des ministres sa prorogation. L'idée maintenant, ce serait donc d'adapter les règles à la situation locale. Est-ce que c'est souhaitable, compliqué? Est-ce qu'il faut un abandon pur et simple du pass sanitaire, Pierre Gentillet? Moi, je ne varie pas de ma position d'un iota. Je pense que... d'abaisser un peu l'échelon en disant voilà, on va territorialiser le pass sanitaire. Moi, je pense qu'on est toujours à côté du sujet. C'est-à-dire que la question est-ce que le pass sanitaire est un outil qui est proportionné au regard des libertés? Le Conseil constitutionnel, de l'atteinte cause de liberté, je sais que le Conseil constitutionnel a dit que ça l'était. Je maintiens, moi et beaucoup de professeurs de droit avec moi, que ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même un débat que je ne veux pas qu'on écarte complètement. Et par ailleurs, les dernières données scientifiques tendent à prouver que la vaccination qui était censée diminuer drastiquement la contamination et la circulation du virus, finalement, n'est pas aussi bonne que cela. Elle a tendance à décroître et continue à décroître encore dans le temps. Je pense aussi que comme... au fond, quel est le sujet du Covid? Le sujet du Covid, c'est les personnes graves. Aujourd'hui, si la couverture vaccinale des personnes graves est suffisamment bonne, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a ce maintien de ce pass sanitaire qui, au fond, est une obligation vaccinale déguisée, rappelons-le quand même. Bon, en tout cas, les médecins, si on écoute Bruno Mégarban, ils leur disaient encore attention avec les températures qui vont baisser à la faveur de l'hiver, etc. Oui, et l'été, les températures, elles ont augmenté. On a eu une nouvelle vague. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne vais pas prononcer. On connaît votre discours quand même sur la question. Donc, Le mal est fait, c'est-à-dire qu'on leur a forcé la main et maintenant on s'attribue les lauriers. Quel mal. On a fait le pass sanitaire qui a permis de juguler. Je reprends les termes de. Mais qui a permis de juguler une progression d'une pandémie. Mais c'est pas le pass. Ça n'a pas empêché, permettez-moi de vous le dire, ça n'a pas empêché, le pass sanitaire n'a pas empêché une excellente activité économique pendant toute la saison et une reprise de la croissance qui va nous permettre. Justement, de rebondir très fortement. Nous avons eu des débats juridiques, je crois même cet été, sur ce plateau, maître, et nous étions d'accord là-dessus. Je reconnais moi-même la part de liberticide qu'il y a dans nos décisions, que nous ne prenons pas de gaieté de cœur, mais parce que nous devons les faire. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas saborder tous les efforts que les Français ont faits. C'est la raison pour laquelle, évidemment, on ne va pas se précipiter à dire on va lever le pass. Si aujourd'hui, il y a encore des signaux qui nous incitent à prolonger... Nous prolongerons. Des choses qui ont réouvert grâce au pass sanitaire. Moi, j'adore les stades. Je suis supporter du Stade français. Je suis très heureux de pouvoir retourner au stade. Pendant 19 mois, je n'ai pas pu y aller. Sans le pass sanitaire, je ne pouvais pas y aller parce qu'aucun stade n'aurait ouvert. On n'aurait jamais laissé 5000 personnes ou 10000 personnes. Pardonnez-moi, monsieur, venir. Vous n'avez pas pu aller au stade. Je n'aurais jamais pu aller dans un stade si on avait laissé des stades ouverts à 5 ou 10 000 personnes. Mais qui a fermé les stades? Qui a fermé les stades? Sans savoir si les gens étaient contaminés ou non. Bon, après, avec le pass sanitaire, on peut à 5 000 aller dans un stade et je m'en réjouis. Oui, c'est facteur de liberté, c'est pas facteur. Allez, la réponse de Pierre Gentillet. J'entends votre argument, mais je pense que c'est un mauvais argument. On n'oppose pas, comment vous dirais-je, vous n'avez pas pu entrer dans un stade, pas à cause du Covid, de même qu'on n'a pas eu un confinement à cause du Covid. Prenons les choses dans l'ordre. Nous avons eu un confinement, nous avons eu des restrictions de liberté parce que l'État nous l'a imposé, parce que l'État a pensé. A raison ou à tort, mais c'est l'État qui nous a imposé ces mesures-là. D'autres pays ont eu des attitudes différentes. Je prenais en exemple la Suède la dernière fois. La Suède n'a pas confiné et ne s'est pas transformée en un mouroir, que je sache. Et nous avons pu continuer. En tout cas, en Suède, ils ont pu continuer à vivre. Donc, l'effet n'est pas que l'effet du Covid. Oui, le microclimat, d'accord. Il n'y en a pas eu beaucoup des pays qui n'ont rien fait. C'est une fraction de seconde. Ouais. C'est vous qui prenez le problème à l'envers. Je suis vraiment navré. Le gouvernement était irresponsable de ne pas prendre des mesures pour essayer de protéger les gens. Entrer 5 000, 10 000 ou 40 000 personnes dans un stade sans contrôler avant s'il n'y a pas des gens qui sont porteurs du virus, c'est criminel. Et ils ont eu raison premier temps. Au Royaume-Uni, Boris Johnson... Excusez-moi, il y a une chose qui a changé par rapport à il y a un an au moment où on appliquait le confinement, c'est qu'il y a un an, nous étions, pardonnez-moi, tout nus face à ce virus. Aujourd'hui, nous avons une arme contre ce virus qui s'appelle le vaccin. Nous savons que ce virus, quand vous êtes en dessous de 60, 65 ans et que vous n'avez pas de comorbidité, vous ne risquez quasiment rien. Il faut quand même le redire, pardonnez-moi. Boris Johnson, d'être pris. Je ne suis pas médecin, je suis juriste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'atteinte aux libertés fondamentales et si cette atteinte est proportionnée au regard de l'objectif à atteindre. Ça ne l'est pas. Et au Royaume-Uni, on n'a pas imposé le pass sanitaire et le Royaume-Uni a réussi à se remettre. Moi, je le regrette. Effectivement, elle existe en France. Je connais l'argument qui consiste à dire, effectivement, vous allez
allez bloquer la recherche. Très vite, vous allez bloquer. Oui, je le connais par cœur, ce discours. Je connais les deux. Mais non, mais même le vôtre. Mais il se trouve que quand on nous a vendu ce vaccin, on nous disait seulement deux doses. Finalement, on nous dit une troisième dose, une quatrième dose, une cinquième dose. Donc la question, c'est est-ce qu'on lève les brevets ou est-ce qu'on a un impôt Pfizer tous les ans? Merci beaucoup.